petite vidéo qui est donc la troisième partie de mes affaires d'équitation que je garde toujours dans ma voiture. Alors j'ai pas mal de matériel dans ma voiture que je garde constamment dans ma voiture, ça m'évite de les laisser dans mon casier et d'encombrer mon casier, et ça évite également aux souris de venir grignoter le tissu. Voilà, donc je vais vous présenter tout ça. Alors j'ai deux tapis dans ma voiture, donc un qui est de la marque Equitem que j'ai acheté chez PAD, qui est orange avec les liserés gris. Et ensuite j'ai un autre tapis qui est marron, un peu bizarre, un peu chiné on va dire, avec un liseré noir et blanc, qui est de la marque Equitem et que j'ai acheté également chez PAD. Ensuite j'ai un amortisseur qui est de la marque Le Mieux que je vous ai présenté en vidéo. Un sac HV Polo, pardon, en bleu électrique qu'un abonné m'a offert. Donc je m'en sers uniquement pour quand je vais dans d'autres centres équestres à part celui d'Azzaro. Donc quand je monte d'autres chevaux. Ou pour mettre d'autres choses, des petits extras, etc. que je veux emmener au centre équestre. J'ai mon protège-d'eau de la marque Denes. Ma bombe CSO avec son sac de protection. Mes chaps de la marque Fugenza. Une couverture séchante de la marque Amigo, je crois, que j'utilise uniquement l'hiver pour sécher Azzaro après une séance. Par exemple, quand il a beaucoup transpiré, je lui mets la couverture avant de le ramener au pré. Ça évite qu'il soit tout mouillé quand je le ramène au pré. Ma cravache, un seau de la marque PAD et un gros sac de la marque Fugenza. Ma chambrière et mon stick. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour l'autre partie. Gros bisous!